Hey, salut tout le monde, c'est Zone Piece, on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft Game & One le plus vite possible parce que on est pressé. Non. N'est-ce pas Pierre? Oui. N'est-ce pas Ferracrox? Oui, non, non, oui, non. Ferracrox, c'est dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Et donc aujourd'hui, on va à nouveau voir ce qui a été changé, un peu comme tous les deux épisodes, on regarde ce que j'ai fait en off, c'est magnifique. Ah, oui. C'est là où Pierre se repose, pas Ferracrox, parce que Ferracrox est toujours au taquet. Et donc, le premier truc que vous voyez, c'est que j'ai fait toutes les murailles des maisons. Ah non, non, excusez-moi, le premier truc que vous voyez, c'est que j'ai les shaders. Oui, les shaders. Donc, avant que vous le demandiez, on est à 1.9.2. On a donc la possibilité de mettre Optifine, et avec Optifine, il y a les shaders maintenant. Et donc, j'ai le Sidious Vibrant Shader V1.06 Extreme, parce que sinon, c'est tout pas drôle. Tout à fait, tout à fait. et donc, voilà, c'est un peu plus joli. Je tourne à plus de 60 fps, donc vous voyez pas la différence, mais c'est plus joli. Oui. Et, oula, il freeze. Oh, non, c'est quoi la base des skis dans la forêt? J'ai pas vu ça. De quoi? Ah bah là-bas, il y a des escaliers là-bas. Ouais, alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait en off. Déjà, le premier truc que vous voyez, c'est les murailles. Donc, j'ai fait toutes les murailles de toutes les maisons. Alors, je sais pas, peut-être qu'on en rajoutera des bouts par-ci, par-là. Mais j'ai fait le plus gros. Et je peux vous dire que c'était assez long, assez chiant. Surtout avec les pentes, en fait. C'est assez chiant de faire les pentes. Donc, j'ai fait un petit design comme ça. J'ai rajouté du bois aussi. Je crois pas qu'il y était. À tous les poteaux, en fait. Il y a des escaliers en bois, comme ça, ça fait un peu plus stylé, ça fait un peu moins plat, on va dire, entre guillemets, et répétitif. Donc voilà, j'ai fait vraiment toutes les murailles de partout. Vous voyez aussi que j'ai changé le toit du dojo parce qu'il était très moche. Et en fait, il faisait vraiment dégueulasse. Il se fait des barquettes de frites. Ouais, non, mais c'est même pas ça, c'est que même en rajoutant des motifs, il faisait gros tas en fait. Ça faisait un gros toit très très moche. Et du coup, j'ai préféré changer et j'ai pris une image sur internet. J'essaierai de vous la rajouter au montage, j'y pense. Bah, j'y ai pensé vu que je l'ai dit maintenant. J'ai donc pris une image sur internet et j'ai à peu près copié le toit. Donc, j'ai un toit différent de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Donc là, c'est un toit à 4 pans, hein, comme on faisait d'habitude. Et au-dessus, c'est un toit à 2 pans. Oui, c'est pas le Léon. Pardon. c'est pas le même pan, on parle de pente, voilà. Et donc, avec une pente qui est très abrupte au début, enfin qui est normale avec les escaliers, et qui à la fin bah, va un peu plus doucement et remonte légèrement avec la petite pointe, voilà. Et donc ça fait cet effet-là et j'aime beaucoup. Voilà, ça rend bien comme sur l'image que j'avais prise sur internet. Et aussi une petite fenêtre au milieu comme ça, ce qui, en fait, ça remplit le toit parce que c'est vraiment vide si on fait un grand toit comme ça. Ouais. Ça remplit le toit et du coup, vraiment, c'est beaucoup plus joli comme ça que comme c'était avant. Je peux vous l'assurer à 100% que c'est plus joli. J'ai aussi donc creusé d'un de partout pour qu'on puisse faire la cour tout à l'heure ou dans l'épisode suivant, on sait pas encore. Je ne sais jamais tout à l'avance. Donc voilà, j'ai creusé un de partout. En face, j'ai commencé, j'ai fait une petite cour. Enfin, une petite cour avant de la maison, et j'ai, on va dire, implanté la maison. Mais vous allez voir, parce que les maisons seront légèrement différentes, vu que c'est des maisons riches, elles sont un peu plus différentes, un peu comme le dojo avec un toit différent, parce qu'il est très riche. Donc ça a l'air artistique quand même. Les maisons seront différentes parce qu'elles sont riches. Mais vous allez voir, on va en faire une du début, là je l'ai implanté pour faire des tests en fait, plus que pour prendre de l'avance. J'ai rajouté aussi des routes. Alors vous voyez cette route là, je l'ai rajoutée. Elle n'était pas là avant, il y avait rien en fait derrière. Et justement, je trouvais que c'était un peu vide. Du coup, je me suis dit, hop, on va mettre une route qui mène jusqu'à là. Bon, un escalier, c'est pas trop logique, mais on s'en fout. Ça rajoute une route, ça rajoute un accès, même s'il y a une route juste à côté. Hein, des fois, les gens ont juste la flemme de faire 15 mètres de plus pour atteindre le même endroit. Voilà. Et puis ça fait une route sympathique, je trouve, parce que on est entouré de haies, du coup ça fait très très naturel, et il y a les cerisiers en fleurs de la mairie, du coup ça fait vraiment route japonaise, vous voyez, voilà. Ouais. Ça rajoute un cachet, j'aime bien dire ça. Non, dans les pommes. Vous voyez aussi que j'ai prolongé ces routes-là. Donc celle-ci, je l'ai prolongée jusqu'à la plage, parce qu'on va faire un petit chemin qui mène à la plage pour la plage publique. Et celle-ci, je l'ai rallongée jusqu'à l'eau parce que entre ça et ça,
et cette route que j'ai faite aussi là-bas, que Pierre parlait tout à l'heure, on va faire un pont, on va faire un grand pont qui va passer au-dessus du lagon. Joli lagon d'ailleurs, avec les shaders, ça rend super bien, vraiment. Et là, donc, c'est la plage privée du gars qui habitera ici. Donc, le mec a carrément une plage privée qui fait la taille de la plage publique de la ville. Voilà. Et le soleil, le mec de... Oh, richesse! Donc, vous voyez aussi, alors je vais prendre de la hauteur. Parce que vous allez mieux le voir là. Je pense pas que. Enfin, les plus observateurs l'ont peut-être vu, mais. Les moins observateurs ne l'ont certainement pas du tout remarqué, mais j'ai implanté la muraille, mais pas la muraille qui entoure une maison, la muraille qui va entourer toute la ville. Donc vous voyez, ici, là, il y a une ligne de cobble, elle fait tout le tour dans la forêt, là, c'est pas chargé les chunks, mais voilà, elle fait le tour dans la forêt, elle passe par là, elle passe par là, elle passe par là, du coup, c'est logique qu'il y ait une route là et qu'il y ait un pont là, parce que c'est pour aller de l'autre côté de la route, on va dire. Ouais, c'est cherché à faire une grosse muraille comme ça. Je la ferai en off, en fait on va juste faire le pattern dans l'épisode et je la ferai en off tout seul. J'ai pas envie de montrer ça en épisode, on va faire passer 15 épisodes à faire une muraille que finalement on en aura marre, voilà. Donc je la ferai en off petit à petit, voilà, j'en rajouterai des bouts. Et donc elle passe là, elle passe là, elle prend pas la grotte de l'ermite parce que l'ermite est en dehors de la ville quand même. Déjà qu'il est assez proche, hein. À l'origine le village était là-bas, donc on pouvait dire ouais il est bien ermite, mais non, il est juste à côté de la ville, hein. Pas si ermite que ça, les bûcherons sont plus loin que ça. Donc elle passe là, elle passe à ras la ville, et du coup j'ai rajouté une route qui passe aussi à ras, ici, là, voilà, cette route-là. Celle-ci était... Non, celle-ci, elle y était, c'est celle-ci qui était pas là. Voilà, donc j'ai rajouté une route qui va du quartier pauvre, de la fin du quartier pauvre à la fin du quartier... bourgeois, et donc il longe un peu la muraille, voilà, avec des petits carrés d'herbe. J'ai essayé des petits carrés d'herbe pour mettre des plantes fleurs, on verra ça plus tard quand on fera la déco extérieure peut-être, ou je le ferai en off, je sais pas encore. Donc voilà, elle passe là la muraille, elle passe juste à côté de la forge, voilà, la forge est à ras la muraille, elle passe un peu dans la forêt pour prendre le temple japonais. Elle passe dans la forêt, elle passe dans la forêt, elle revient contre ici et elle prend voilà, elle délimite, on va dire, la parcelle de terrain de cet homme riche qui est ici. Et donc j'ai pu rajouter aussi une route là qui longe un peu la muraille, mais après qui ne longe plus, donc c'est voilà, et qui passe juste à côté d'un arbre, ça fait très joli. Donc hop, allez, lui là, sur l'arbre. Voilà, ça rend bien parce que ça passe sous les arbres cerisiers en fleurs, voilà, donc ça passe ici. Ça passe ici et on arrive en fait juste à côté du temple. Temple, j'ai légèrement modifié la route, alors je suis pas encore sûr du pattern. Hein. Mais t'en as rajouté des arbres, non? Ouais, j'ai rajouté des arbres, je le montre après. La route, je suis pas encore sûr du pattern ici parce que ça fait un peu bizarre, on va dire. Mais je verrai ça, je verrai à modifier peut-être plus tard. J'ai rajouté aussi quelques barrières ici parce que ça faisait pas très joli. Donc j'ai rajouté des arbres. Alors ceci était déjà. Ceux où il y a la route étaient déjà, mais ceux-là vers la forge n'y étaient pas, donc j'ai rajouté une petite forêt. J'ai fait exprès de mettre que des petits arbres parce que les grands arbres c'est déjà c'est chiant à faire. Et en plus, c'est pas trop logique de foutre un gros arbre ici en plein milieu. Là c'est plus un parc naturel avec le temple, voilà, c'est plus naturel. Là c'est plus parce que en fait c'est la forêt qui était là avant. Qui est encore là en fait, parce que c'est pas encore aménagé. Je vous rappelle qu'on est quand même à l'époque féodale, donc ça équivaut à 1500, on va dire, après Jésus-Christ. Donc c'est pas non plus tout moderne, etc. Hein, voilà. Donc ici j'ai rajouté un mur, comme ça ferme un peu ici une cour pour je sais pas, le magasin ou je sais pas qui. Donc j'ai rajouté un petit mur qui fait bien, donc là j'ai rien rajouté... Oui, là ici le mur du parc était en fait un peu plus rentré, il était par ici, là où je mets les barrières. Oh, il s'arrêtait ici. Des morceaux cassés dans le mur. Et, ouais, j'ai rajouté ça aussi, j'ai fait un petit trou dans le mur, genre il a cassé au bout d'un moment, hein, il a scellé, c'était stylé en plus, ça fait un petit passage... secret, enfin pas si secret que ça hein, quand même, mais voilà, ça fait un petit passage ici, hop, c'est marrant. Passage d'inédiste. Voilà, et donc ici, donc j'ai mis le mur à ras la route, tout simplement parce qu'en fait ça faisait un coin d'herbe et il n'y avait pas vraiment grand chose à y faire, donc je me suis dit, bah hop,
je vais recreuser, je fous le mur à la place, voilà, ici. Comme ça, donc ça m'a pris un petit moment, mais c'est beaucoup mieux comme ça, je trouve. Et ben, je crois que c'est tout. Et si j'ai implanté un magasin ici, que Firecrocs fera, mais certainement pas dans ces deux épisodes qui vont suivre. Mais encore un peu plus tard, parce qu'il est en train de finir les jardins des bourgeois, et il y en a à faire. Je sais pas où t'es, Ok, je me suis fait disconnect. Ah, c'est pour ça que je te voyais pas. Mais je rame maintenant, mais c'est C'est la grève, à vous le Et mais je sais pas pourquoi, mec. Là, depuis qu'on est posé en 1.9, je suis planté, c'est Ah, pourtant, il y a les... on est en 1.9.2, il y a les bug fixes. Donc, bon. Ouais, il y a des fois. Voilà, ça le fait des fois quand. Merde, je vais essayer de le refaire. Quand on tombe, en fait, de haut, ton personnage bug un peu. Voilà, il fait un espèce de sur lui-même. Bon, enfin, voilà. Mais Allez, il y a des connexions, ça m'est arrivé qu'une seule fois Non. et Je sais c'était pas. moi qui laguais, je pense. Maintenant que c'est mon jeu qui chauffe trop, mais bien, pourtant j'ai la mémoire. T'es pas censé te déconnecter. Enfin, T'as fait tes bref. mises à jour de driver, peut-être? Donc, Non. nous, on va s'attaquer Bon, ça sert à au rien. dojo avec Pierre. Donc, enfin, on va s'attaquer. On va continuer parce qu'on va faire la cour extérieure. Ça va être un peu plus joli. Donc, on va Mais c'est commencer. déco, ça, non? Ouais, mais on fait tout l'extérieur du dojo, on va dire. Parce que. Comme ça, Lick nous rattrapera, en fait. T'inquiète, j'ai tout prévu dans ma tête. T'inquiète, t'inquiète. Donc je vais faire un chemin. Alors je sais pas. Je mets quoi ça les bords? Attends. Déjà, je sais pas trop où je vais le faire, chemin. Je vais le faire plus à ras de la maison. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pas. Que faites-vous? Firecrocs, il fait n'importe quoi, Pierre. C'est le mec qui répète Il tout. essaie des trucs, C'est le voyez-vous mec qui ce qu'il répète dit. tout. Firecrocs, il fait n'importe quoi. Y'a les swag ou pas? Alors, attends. Non, pas du bois. C'est trop chargé le bois. J'aurais plutôt dit une pierre, parce que c'est une cour. Ah, attends. Putain, c'est On va le vraiment faire qu'est-ce qu'on ici, pourrait je mettre? pense. Là, on va faire un petit terrain, on va dire, d'entraînement. Un petit terrain. Où Côté les pierre ici. samouraïs pourront s'entraîner à coup de C'est bâton. ça. Un coup de bâton. Je sais pas comment elles s'appellent les épées en bois. Vous savez, les petits sabres en bois comme on voit des fois dans les dojos. Ah, Je sais pas comment ça je m'en rappelle s'appelle. plus. Je le mettrai peut-être au montage. Sauf si j'ai la flemme ou je trouve pas. En plus, D'ailleurs, on utilise au cache des trucs comme Ah ouais. Pierre, tu m'avais dit, est-ce qu'on ferait un phare? Et donc je me suis renseigné, donc vous l'avez vu dans les épisodes précédents, mais je le redis à l'oral. Non, on fera pas de phare parce que les premiers phares ont été créés à l'ère Meiji. Donc l'ère Meiji qui suit l'ère Edo, qui est la dernière ère de l'époque féodale. Donc en gros, les C'est premiers. oui, ça, les rideaux. L'ère Edo, ça s'est fini en 1800. Par là. Non, c'est très moche ce que tu fais là, Pierre. Ouais, j'essaie des trucs. Non, c'est dégueulasse. J'aurais plutôt dit une stone brick, un truc comme ça. Alors, faire un stone. Donc, les Oh, rideaux, c'est c'est fini dans ça. les Sur les flags, 1800, un c'est truc. genre, ça fait des feuilles tomber. Donc, l'époque féodale, c'est fini vers l'ère 1800. Et c'est là que, en fait, les Japonais ont ouvert les ports aux étrangers, en fait. Ils ont ouvert les ports aux Anglais. Et quand je parle port, c'est un port PORT. C'était plus raciste. Et donc voilà, ils ont ouvert les ports aux Anglais, je crois. Et du coup, c'est un Écossais, un architecte écossais, qui a fait les premiers phares, pardon, japonais. Et donc ce n'est pas du tout japonais un phare, donc on ne fera pas. Enfin, c'est japonais maintenant, mais vu qu'on va faire une époque un peu plus vieille, on ne fera pas. Alors, soit de la stone toute simple. Des zones pédia. Ta Zone ta pédia. ta. Non, non, j'ai vu ça sur Wikipédia, monsieur. Voilà, c'est Oui. des zones pédia. Voilà. Alors, bah, peut-être. Stairs. Donc là, on cherche des patterns un peu à faire. Je pas réfléchi. Hein, on fait un petit peu ensemble. Quand même. Je sais pas À la trop. bite. Si on fait comme ça et qu'ensuite on met de la stone brick. Pensez au mode de la lanterne aquatique. J'ai bien vu, ça ressemblait à quoi? La lanterne aquatique, bah c'est. En fait, c'est pas mal. Kiff. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est bleu. Et je me suis dit, peut-être que je modifierais mon pacte pour que ça soit jaune. Et ça ferait les lanternes japonaises un peu.
Ouais, mais tout le chemin, ça ferait un peu bizarre, c'est. Ouais, non, mais oui, non, mais voilà. Premier Mais sous-forme de non, torche, quoi. moi, je te parle pas pour faire le chemin, je te parle pour faire des Ah, lanternes. ah. Pour Oui, l'éclairage, ouais, putain. rien. Le Ah, souci, on c'est s'est que donné. c'est bleu, en fait. C'est pas trop logique. Si elles étaient jaunes, ça aurait été mieux. Alors, je vais faire un petit carré, on va voir. Et on fera un autre carré avec une autre stone. Parce que stone brick, je pense que ça va être chargé à mort. Mais ça tout le long alors. Non, attends. Je vais faire d'autres essais. Alors, attends. Celle-là, peut-être. Parce que ça fait un peu. On pourrait mettre des trucs comme ça pour faire alors il y a des feuilles qui sont tombées. On pourra, mais plus à l'arrière, parce que vu qu'il y a des arbres à l'arrière, tu vois. Parce que là, c'est pas trop logique, les feuilles elles tombent d'où Elle tombe de turfu, Ouais, c'est. voilà, c'est un peu bizarre. Alors, on va voir comme ça, et on va faire avec de la stone toute simple, peut-être. Ouais, je pense pas avec la stone simple, parce que c'est vraiment trop simple. Je sais pas. Hein. Pierre, il va falloir qu'on choisisse. J'ai fait trois patterns. Lequel est le mieux? Ah, moi ce que je ferais bien c'est genre tu fais un mélange de ça là et de ça. Tu vois. Genre... Une fois sur deux comme ça quoi. Comme ça? Non non non, tu laisses comme ça, comme c'était avant, comme ça là. Mais après, tu sais, tu fais genre des longueurs comme ça quoi. Et après Bon, hop, en tu changes ligne, de tu veux bloc. dire? Hein? En ligne? Je comprends pas. Ah, tu veux dire un gros carré de stone brick, un gros carré... Ah non, ça va être moche. Hein. Très Ouais, très moche, ça ça vient sera d'arbre. pas trop logique. Putain, seulement on avait... Ah, attends, peut-être les briques. Ouais, non, elles sont trop modernes dans ce pack. Sinon, ça aurait pu faire des pavés, en fait. Tu vois? Ouais, non, ça va pas du tout, ça va pas du Non, tout. c'est trop orange. C'est trop beau orange, trop moderne, ça va pas. Pourquoi on laisse pas en herbe, c'est pas mal, c'est. Parce que là on remplit trop de cailloux. Bah, ce qu'il y a, c'est que c'est une cour. C'est pas un... Putain, what? Je me suis fait TP par le serveur. Ah, attends, il court, il y a de l'herbe. Ouais, y en aura ici, là, en fait. C'est un coin d'herbe, là. En fait, regarde, hop. On va faire comme ça. Ah, il est petit ton coin d'herbe, hein. Putain, Ouais, c'est c'est pas un possible. coin d'herbe. C'est pas ça. Ah, putain. Ah, c'est petit quoi. C'est Putain, un mais j'en ai coin. marre. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Dites. Putain. J'ai un problème avec ce putain de jeu maintenant, c'est chaud quoi. Faudra peut-être que tu le réinstalles, je Mais pense. je rame à mort, c'est je en gros pourquoi. Hashtag Master Ben. Bah là, oui, je sais pas si c'est à C'est cause que pas j'ai pas depuis que assez t'as essayé de. d'installer, tu sais, les mods que je t'avais fait, tu sais, faut pas dire parce que sinon ça va spoiler les séries suivantes. T'as déjà spoil, mais Oui, c'est pas. non, mais... Bah non, non, totalement. Je sais pas, si je rame de plus en plus en Minecraft, je sais pas Là, pourquoi. ça fait un petit bac à fleurs, en fait. Mais putain, faut trouver, là, Pierre, ça pue de tout. Alors, attends. Attends, Stone. mets-moi. Alors, la paladurite, peut-être... Non, j'hésite. Ouais, putain, ils sont moches sur ce pack de textures. Moi, j'aime pas remplir toute la cour en pierre. Je trouve que ça fait trop. Ouais, mais après, on pourra toujours modifier un petit peu. Et il faut trouver en fait un élément de base. Peut-être la cobble, tout simplement. Putain, non, pas celui-là. Effet Pourquoi on ne mousturé. mettrait pas des dalles à la place? Des dalles. Des dalles de quoi? Ah, je sais pas, de. Un truc. Bah, c'est pareil en fait. Les dalles elles sont le même motif. Ouais, mais ça ferait moins haut, ça ferait moins rempli, toi. Ah, tu veux dire en soubassement? Oui, on peut, mais Ouais. de toute façon, il faut trouver un motif. Alors. Qu'est-ce que Celui-là, je c'est? l'aime pas. Ça fait charger les cobbles. Lui, j'aime pas, c'est trop vide. Donc, ouais, il faudrait faire un mélange de. Peut-être un mélange de du chiselade. Non, ça fait pas ça. Genre on en met que de temps en temps, tu vois. Ouais. Ouais, genre comme ça. Et après on bourre la cobble. Je me demande pas si ça serait mieux sur l'autre Ou là on caillou fait que sur l'inverse. celui-là là. On fait l'inverse. Mais ce qu'il y a, c'est que la
Ça faut être trop moderne après. Attends, déjà enlève tout là parce que c'est. Là, il y a une grosse différence de gris. Tu passes du gris clair au gris foncé. Ouais. C'est vrai. C'est bizarre. Mon chat qui va miauler. Vous allez l'entendre, je pense. Non, il a pas miaulé. Ouais, c'est bizarre. Lui, à chaque fois qu'il rase, il me fait. Déjà, vire tout là parce que c'est n'importe quoi. pour tout. Essaye de mettre des dalles de Stonebrick tout simplement. Parce que ça fait la compte. C'est quoi Stonebrick? C'est la pierre taillée, je crois. C'est comme les escaliers. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est la stone normale. Ah. C'est comme les escaliers. Ah bah, c'est celle-là. Tu vois. Oups. Ça fait peut-être la continuité en fait, tout simplement des escaliers. Du coup, ça ira bien. Alors, on va voir. Ah, c'est mieux en fait. Ouais, on va mettre comme ça, je pense. Ah, il y a mon chat qui vient. Non, mais toi, non, parce que ça fait dégueulasse là. Je trouve les carreaux en fait, c'était une très mauvaise idée de faire comme ça. Okay. Mon chat qui est sur mes genoux, donc je vais très certainement moins bien jouer parce qu'il va bouger dans tous les sens. Oh, petit mouse. Miaou. C'est bon, il y a un chat dans la vidéo, un million de vues. On va être riche. Lol. Comme si ça marche encore, ça. Non, mais il m'a dit que ça marche encore. C'est le mec qui veut pas te casser à part ça, mais c'est pas grave. Mon Dieu. Imagine le gars, il apprend des numéros à son chat, il met sur internet, il y arrive grâce à ça, quoi. Bah. Comment te dire que. Ah, c'est vite déjà. Ouais. Ok. Ah, je trouve que ça rend pas trop mal comme ça. Alors, par contre, là, on va avoir un problème, Pierre. C'est que les escaliers là, ça va faire très chelou. C'est déjà le problème. Voilà. Ouais. Là, le problème, tu le vois ou pas? Ici là. Ouais. Tu le vois. Regarde. Hop. Bah, sinon, regarde, on fait comme ça. Regarde-moi ce génie. Il n'y a plus de problème. Non, parce que mec, tu fais comment là? Tu fais comment là? Tu fais quoi là? Tu fais les égouts non? Là, on bourra d'un bloc et puis c'est tout. Pas besoin de se faire chier. Ah, si tu fais les égouts là. Bah. Si tu fais les. Comment on appelle ça? Les caniveaux. Voilà, ouais. Sinon, on fout un bloc partout. Putain, j'ai plus le bloc entier de. Ah putain! Ça, c'était mes couilles. Les chats. C'est le chat. Le plus grand ami de tes couilles. Non. Tiens, Pierre. Hop, c'est là. Attends, ça me stresse, ça. C'est pas rempli. Il y a des araignées qui font spawn. Ouais. Non, mais c'est normal, il faut laisser. Enfin, il faut mettre juste une. Voilà. Juste comme ça. Putain, t'as pété une bûche derrière, je crois. Ah! Où ça? Ah non, je l'ai pas pété. Ah non. Ah putain, mais c'est pas rempli du tout au fond. C'est qui a pété. On ne le saura jamais. Au final, on est parti sur la Stone Mike, quoi. Tout simplement. Alors là, on va continuer comme ça, et là, on va reprendre les. Merde, putain. Les escaliers. Mais ici, là, derrière, on fait comment? Alors, attends, tac. Je regarde pas du tout ce que tu fais. Est-ce que si je fous. Là, il va falloir foutre un bloc entier. Là, on fout des dalles. Bah, si je mets en demi-dalle, je sais pas. Si on met. C'est pas des demi-dalles. Attends, on va essayer. Je vais foutre les escaliers. Ah non, c'est pas plus bizarre. Les escaliers qui vont faire caniveau, donc on va pas foutre d'escalier. Attends. Mais t'as pas mis les escaliers? Des. Où? Ici. Hop, tu dois faire partir. Là. Comme ça. Ah, mince. Là, je mets des blocs après. Non, des slabs. Ouais, mais après, on va voir la terre. Bah, on mettra une bûche. À la place de la terre. Non, on va tout modifier. Moi, j'y vois rien, mais il y a des ombres avec les shaders. Je vois pas la terre. Il y a l'ombre du toit dessus, en fait. Ça fait swag.
Alors, quelle misère. J'enlève les shaders, on va voir. Oups. Ah, ça fait bizarre. Ah, ça va bien, ça se pipe. J'ai enlevé les shaders, désolé. J'aurais jamais dû. Oups. Alors là, je sais pas. Pardon. Par contre, si on repart en slab ou on bloc entier ici. Ça va être bizarre. En terrain marteau, le machin. De quoi? Non, mais le chemin et puis là, ça fait un gros bloc d'un coup. Si c'est une cour d'entraînement, mais attends, on va rajouter des trucs après là. On aurait pas dû mettre le chemin plus au milieu. De où? De quoi? Non, justement, je voulais le faire longer la maison. Je trouve ça mieux parce que là, ça fait une grande cour. On rajoutera des trucs ici, bien sûr. Je pense que dans le prochain épisode, parce que là, l'épisode commence à être avancé. Pierre, on a un problème. Ah oui, il y a des terres tout le temps. Eh ben, Pierre. C'est ta faute, ça. Tu connais la solution, problème? Escalier. Voilà. Oh, t'es pas con. Alors là, on va avoir un autre problème. Encore? Il y a que des problèmes, putain. De... Jamais on aurait dû faire un dojo, Pierre. Ah, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein. Oh, vas-y, y'a un trou là. Ah, c'est Luc qui rigole, c'est Luc. Voilà, c'est Luc, je suis sûr. Putain, Luc. Pourquoi t'as eu cette idée? Oh là là. Voilà, il y a eu le problème. Y'a plus de problème. J'ai supprimé. C'est bon. Là, on met de l'eau, c'est un petit bassin, c'est après tu mets des nénuphars, ici, là. Ici, on va faire. Ouais, mais on verra après ici. On fera sûrement autre chose. Là, tu vois, ça fait un petit endroit de terre bien joli, tu vois. Ouais, et là, on va, c'est le clochard là. On va rajouter un chemin. Là. Là. Il faut rajouter ici, parce que sinon, ça fait chelou. Voilà. Alors, chemin. Ça fait genre, en fait, il y en a un qui arrive ici et un autre qui arrive en face. Tadam, pour se battre. Viens te battre, Pierre. Attends, il faut boucher en dessous avant parce que sinon ça va spawn. Enfin, même s'il n'y a pas de mob. Maintenant. C'est marrant, dans toutes les maisons, là, c'est un bloc en hauteur. Putain, je te dis pas le nombre d'araignées de bébés zombies qu'il va y avoir sous les maisons. Ah, je t'avais prévenu, hein, pourtant, je vous rappelle. Rien à foutre, Pierre. Ok, ok. C'est pourquoi okay. On est en peaceful. Ouais, mais le jour où on sera plus en peaceful et puis on devra aller sur cette map. On s'en fout, c'est le PNJ qui est. Au pire, ouais, ça sera les PNJ. Quand je mettrai la map en téléchargement, les gens ils sont contents. Ils auront plein de pharma mob. Ils auront dû s'accrocher en sous-sol et hop. Voilà. Comment pour faire chier, tu mets un anti bleu cassage de blocs, c'est. Ah, c'est. Ah. Mode aventure 2. Non. Hein? Non. Ah. Si tu fous la map au téléchargement, la sauvegarde elle est limitée, quoi, on va dire. Voilà. C'est beau comme ça. C'est joli. Là, le chemin passe à 1. Ah, ça va être bien, au moins on n'aura pas. Juste à en mettre un peu en dessous. Oh. Okay. Ah. Voir si on peut mettre dessus. Ah non. On peut pas mettre du nénuphar par terre. Dommage. Bah non. C'est dans l'eau. Ah, ouais, mais je les teste, tu vois. Vu que Minecraft c'est pas logique, mais si, tiens, on pourrait peut-être y mettre. Si jamais. Ouais, Pierre, le seul homme qui essaye de mettre des nénuphars dans l'herbe. Genre, ça pousse pas. C'est pourquoi y'a pas de fleurs. Tiens, je me demande un truc. Tu mets de l'eau en dessous d'un bloc. Tu mets un bloc au-dessus et tu mets un nénuphar par-dessus le bloc. Attends, de l'eau? En dessous du bloc et au-dessus du bloc, tu mets le nénuphar. Tu veux dire de l'eau à ce niveau-là? Ouais. Un bloc par-dessus et un nénuphar? Ouais. Et ça marche pas? Ah, dommage. Si, c'est logique. Ça, je sais pas.
Ouais, mais j'essaie de focaliser la logique. Tu vois, logique à Pierre. Analyse de points. Joli comme ça va. Ah, si ça fait un peu bizarre. Ça fait trop délimité d'un coup ici. Alors ça fait chelou. On serait dans une ville, là dans la cour. Bah c'est le but, c'est une cour, tu vois. C'est une cour d'un dojo. Un dojo, il y a beaucoup de monde, hein. Je sais pas si tu te rends compte, mais entre la classe des petits qui sont au moins une vingtaine et les adultes qui sont aussi une vingtaine, ça fait 40 personnes dans un seul bâtiment. Je sais pas si tu te rends compte. Regarde juste la taille du bâtiment, mec. Il est plus imposant que la mairie. Ah ouais, la mairie est petite, on est à côté. Bah ouais, t'as vu, elle fait toute petite là. Elle pousse ses couilles là, le 2 jours. Voilà quoi. Alors là, est-ce que ça fait pas un peu bizarre? Non, ça rajoute un peu de relief, on va dire. C'est pas plus mal. Ici, on va rajouter ça. Alors, je vais essayer de en sorte que ça colle pas comme ça. Loli, 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 loli. Lich, il est en mode craquage. Il en peut plus là. Jardin, jardin, Jardiland, 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 Jardiland. Non. Lui qui va avoir un jardin, il va aller dedans, il va tout casser. Ça veut pas là. Tu veux pas me faire un escalier en coin, fils de chien? Oh. On peut pas. C'est comme ça. Je fais comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Belle, belle, belle. Comme ça. Mais de l'herbe ou pas? En zéro, tu mets de la peu. Putain, ça marche pas. Ouais. Ah, fou, je casse les murs. Putain de câble. Ouais, non, mais t'inquiète, Pierre, on fera ça un autre coup. D'ailleurs, on va couper l'épisode ici. On a pas bien avancé. Enfin, quand je dis on avance pas bien, il y a des épisodes où on avance pas beaucoup parce qu'en fait, je montre ce que j'ai fait en off. Du coup, en fait, on avance beaucoup sans avancer beaucoup en épisode. Mais bon, on aura quand même fait. La cour, dans le prochain épisode, je pense qu'on la finira. On finira les petits trucs. Là, on rajoutera peut-être un petit truc d'eau avec un petit peu d'herbe. Ici, pareil, un petit cours d'eau, ce serait pas mal. Au milieu de l'herbe avec beaucoup de fleurs et des buissons. Il faudra qu'on rajoute des buissons. Là, je fignolerai pour que ce soit un peu plus joli. Ouais, mais on va faire tout l'extérieur du dojo. Ah non, c'est de déco. Oui, mais on va faire tout l'extérieur du dojo, comme ça sera fait. Et ça permettra de faire un point de te rattraper. Et comme ça, si on a fini ça, on pourra attaquer une des grandes maisons. Oh, de riche. Ah, c'est la déco, les grandes maisons. Ta gueule, c'est tout de la déco, de toute façon. C'est... Mec, la série, c'est de la déco. On a fait un visage pour la déco. Alors, frère, qu'est-ce que tu as fait dans ton épisode? On va quand même venir te voir. Il manque encore deux jardins à faire. Ah, donc tu as rajouté. Ah, donc tu as repris mon pattern de. De... que j'avais fait à côté, donc oui, dans le dernier épisode on avait vu que Faircox avait fait un truc mais les gens ne pouvaient pas marcher. Oui, il fait des rangs de rock. Donc j'avais rajouté un petit truc de bois pour que ça soit un peu plus logique et donc il a repris le pattern, donc là il faut sauter. Ouais. Le mec s'appelle Mario aussi. Le mec il s'appelle Mario en fait, il est petit. Bah ouais, attends. Donc, oui, c'est marqué sur la pancarte. C'est écrit sur la pancarte, d'accord. Là, j'ai refait une. Ah, ici. Là, ici, j'ai refait une petite fontaine ici, là, sur le côté. Ah, ouais, c'est joli. Ah, ça fait swag, là, ouais. Vu qu'il y en a une là-bas. Ça fait swag, mais les cours d'eau sont un peu chelous, ça fait des. Oui, oui. Non, c'est si je rajoute où ça tombe, ça tombe après ici. Ouais, oh, c'était quoi qui fait ça? Ah, merde, ça cache. Si tu fais comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça. Et là, regarde. La magie. Pourquoi t'as pas mis un escalier à la place? Parce que ça fait mieux swag des dalles. Putain de fleurs! Attendez, attendez! Oh, c'est pas fini! S'il te plaît! Merci. C'est toujours pas logique d'ailleurs. Fuck you. Mais c'est toujours pas logique en fait qu'il y ait l'eau comme ça. C'est normal qu'elle déborde l'eau. On est dans Minecraft, mais quand même, je veux dire, les gars, il y a un bloc d'eau qui vole. Ici là. Sinon, leak. Tu fais ça. Attends, t'as un saut vide. Enlève toute la flotte. Tu vas voir mes techniques.
Mais technique, c'est la magie, tu vas voir. Magie, magie. Ok, c'est ça. Poussez-vous, poussez-vous. Alors attends, déjà, t'as fait un truc que j'aime pas beaucoup. Ouais. T'as laissé l'herbe au fond. Ouais, là aussi, il y a de l'herbe. Ça m'énerve, voilà. L'herbe, là, ici, ensuite, il y a de l'herbe. Poussez-vous. Comment poussez-vous. Faire durer l'épisode. Ouais, parce que je peux pas taper sinon. Voilà, ça. Ah, pas mal la musique. Le contenu peu... Le contenu. Voilà, et là, tu mets de l'eau, mais juste en bas. Ah, mais c'est pas swag. C'est pas de vague. C'est pas ça que ça fait pas. Et là, tu vois, il y a la logique, tu vois. Là, il y a de la logique. Et même, tu peux enlever ça, parce que ça sert à rien. Ou tu peux le mettre plus haut, genre en mode swag, pour qu'on voie un peu l'eau quand même, parce que sinon, c'est pas très swag. ça, non, comme ça. J'enlève les torches, mais c'est pas grave, de toute façon, voilà. Des animaux. Mais là, c'est pas des animaux dans Minecraft. Ah, spawn. Ça fait juste une petite rivière d'eau, voilà, comme ça. Il n'y a pas de dizaine de poissons dedans. Dedans tu vois. Non, ça n'existe pas. Voilà. Après, il y a quoi non, c'est si on met un poisson dedans. Tu peux mettre des poissons. Ah, je trouve un poisson. Oui, je vais faire une piscine. Merde, j'ai rajouté un poisson dedans. Alors, pourquoi. Leak. Pourquoi tu as fait un quadrillage avec les feuilles. C'est... Le mec, en fait, il a rangé ses feuilles. En fait, il a eu la flemme de ramasser, donc il est dit bon, demain. Oh, t'as fait un petit. Je ramasserai demain les temps. C'est plutôt un bassin qu'une piscine, parce qu'à cette époque-là, la piscine, je pense pas que même si t'es riche. J'ai vu les cadenas, j'ai vu les machins, d'accord. Ouais, voilà, ouais, pas mal, Firecock, il te restera plus que 1, 2, 3 jardins à faire, c'est ça? Non, 2, 2. 2, 2, 2, 2, celui-là, les swag. Voilà. Donc, 2 jardins à faire, et après, tu pourras attaquer les magasins, donc peut-être dans le prochain épisode. Bref! On s'arrête là, on se retrouve la prochaine fois. Ciao bye bye! Bye bye!